Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de la grande, la puissante, la magnifique. Non, je déconne en fait, je suis avec Ayane. Salut Ayane. Salut, c'est gentil, merci. Ça, c'est l'intro parfaite, comme tu le vois. Tu casses tout le monde, d'accord. Ah, j'ai fait pareil à Florian, il s'en est rappelé, il s'en rappelle encore. Enfin bon, mais en tout cas, je suis content de la faire cette vidéo avec toi parce qu'on va dire qu'on l'a taffé ce jeu. Fait. Bien comme il faut. Bien comme il faut, comme tu dis. Édité et développé par Gearbox Software et par 2K Games. Alors quand on parle de Gearbox, normalement, Ayane ici présente est une experte en la série parce que... Bah, Borderlands, n'est-ce pas? Oui. Un grand carrément. Borderlands. Ça, on le sait, le temps que tu as passé dessus. À vrai dire, c'est bien pour ça que je t'ai choisi. Sorti le 3 mai 2016, magnifique note de 18 sur 20, comparée sur plus de 33 sites de jeux vidéo étrangers. Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Assez surpris du Peggy. Mais bon, on en parlera plus tard. Voilà comment on va présenter cette vidéo. On va d'abord vous expliquer un petit peu le commandement, le menu, et puis ensuite on se lancera, on scindera la vidéo en deux pour faire une histoire publique avec d'autres personnes en mode PVE. Et on vous expliquera aussi pendant le game qu'est-ce que le PVP. Le commandement sans plus attendre. Donc Ayane, si tu veux me suivre, moi je viens de cliquer sur commandement pour que tu puisses un petit peu te repérer par rapport à moi. Je suis au menu des Battleborn, donc mais tiens, tu vas déjà pouvoir nous en parler. Combien il y en a et combien il peut y en avoir par la suite. Alors, les Battleborn, c'est les personnages qu'on peut jouer. Et pour l'instant, il y en a 35 et prochainement, il devrait en rajouter 5 de plus. Avec bon, d'autres surprises qu'on citera plus tard. Mais donc, on tout dans quelques temps, on va se retrouver avec 40 personnages jouables. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Bon, après, de toute façon, on va dire que les DLC Made in Gearbox, ils ont toujours été assez rentables vu leur prix, n'est-ce pas? Ouais, carrément. Ben là, en fait, ils vont mettre 5 packs de DLC au total. Chacun seront à 5€ et ils font du coup un Season Pass qui coûtera 19€. Après, dans les mises à jour, ils ajouteront encore d'autres personnages et des modes compétitifs pour le PVP et des cartes et ce genre de choses. Je vois. Oui, et c'est à croire qu'en gros, ils posent leurs couilles sur la table et ils disent « Allez vous faire enculer Activision, quoi ». Ouais, c'est un peu ça. Ah non, mais complètement. Pff, oh là là. Ils veulent leur donner une bonne leçon. C'est ça. Et dans chaque DLC, on aura le droit à un mode histoire en plus, enfin une histoire en plus, pardon, un skin, enfin plusieurs skins et des provocations pour les personnages. D'accord, bon, bah, plein de goodies. Voilà. On parlera aussi pendant le mode PVE de tous les goodies qu'on a pu avoir avec l'achat du jeu. On va le garder pour la suite. Je passe du coup à l'onglet matériel. Bon, je ne peux pas y accéder parce que je ne suis pas rang 3, mais il faut savoir que ce jeu, qu'est-ce qu'on obtient à la fin de chaque stage PVE ? Des passifs. On peut builder notre personnage en fonction de ce qu'on joue. Du tank, du heal, de la vitesse d'attaque, ou tout simplement quelque chose que l'on pourrait modeler en fonction. Il y en a pour tous les goûts avec les personnages. Comme tu l'as dit, il y en a 35. Il y en aura pour tous les goûts, tout le monde pourra se retrouver dedans. Il y a des passifs normaux, peu communs, rares, épiques, légendaires, en fonction des couleurs. De toute façon, le code couleur au niveau RPG, je ne vais pas vous le répéter, vous le connaissez tous. Pour ce qui est de la carrière, donc du coup, on engage notre meilleur chrono à faire le mode solo. Vous voyez ensuite en dessous vos stats personnels. Vous pouvez ensuite appuyer aussi sur les gâchettes pour voir les défis à relever et les titres que vous pourrez gagner et que vous pourrez vous mettre à côté de votre pseudo tout simplement, et le marché, une fois que les niveaux seront atteints, vous pourrez acheter des petits packs de passifs. Je pense avoir tout dit sans non plus trop en citer sur le jeu. À la base, c'est un test, on va pas non plus tout spoiler. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en particulier selon toi? Non, il semble qu'on a tout dit. Bon, ouais. Très bien. Donc du coup, écoutez, comme j'ai dit, on va scinder la vidéo en deux. Je parle du menu, de tout ce qu'il en retourne. Et pour éviter les problèmes de serveur, lobby, connexion, hôte, etc., vu qu'il s'agit du jour de la sortie, nous faisons cette vidéo le 3 mai 2016. Je vais scinder ma vidéo en deux et on va relancer la vidéo lorsqu'on aura trouvé une équipe et qu'on se retrouvera dans le mode PVE. Je vous dis à de suite. Bon, voilà qui est fait. M'entends-tu toujours? Oui. Parfait! Bon, on va être franc avec vous, les amis. On a fait un premier cut, assez dégueulasse. On va pas se le cacher. Non, c'est juste que, voilà.
Ayan ici présente a fait plus de missions que moi, et moi je peux pas suivre la cadence avec mon level, donc on est parti sur des missions qu'on a connues dans la bêta, mais au moins des missions qu'on connaît, qu'on va pouvoir faire vite, et on pourra vous expliquer du coup plus en détail les choses, parler pendant le gameplay et tout, ce sera plus simple. Donc voilà. Première chose que vous avez dû remarquer quand j'ai fait la flèche du haut, donc du coup vous avez 10 levels pour parcourir le mode solo, la petite map en teamplay, et à chaque level vous avez un arbre, plus soutien d'un côté et offense de l'autre, qui vous permet de modeler votre perso en fonction de la situation. Donc moi je dirige Miko qui est le healer, et Ayan ici présente a pris Orandi, le caster, la casteuse. Et du coup voilà, bon vous allez voir de toute façon de quoi il en retourne pendant le gameplay. Moi je vais du coup faire du heal et je compte sur le DPS de ma partenaire. Et moi sur le heal de mon partenaire du coup. Yes. Oh là là, on dépend l'un de l'autre. Si vous avez Louis Fine, pendant qu'on était en train de parler, vous avez dû peut-être reconnaître des voix similaires à Borderlands. Vous n'avez pas tort, car beaucoup de doubleurs ont été préservés pour faire la voix off de nos personnages. Ayan, rappelle-nous, quel est le fameux personnage de Belle qui a été pris pour faire Orandi ? Christina, notre cher ami Christina. La folasse. La folle... Tout exposé. Ah, qu'on connaît depuis BL1 même. Non, elle apparaît que dans le 2. Que dans le 2 ? La première fois qu'on la rencontre, elle est en train de faire péter un sadique à coup de TNT. C'est ça. C'est plutôt pas mal. À savoir que, justement, donc là on est en train un petit peu de s'upgrader et tout, mais le jeu est adapté à la difficulté en fonction. Enfin, la difficulté du jeu, pardon, est adaptée en fonction du nombre de joueurs présents dans la game en fait. Si quelqu'un rejoint, le niveau de difficulté va augmenter, si quelqu'un part, le niveau de difficulté, du coup, sera descendant. Donc ça c'est un bon point à noter, ce qui nous permet qu'on peut aussi bien s'amuser seul, mais je pense pas que ce soit réellement le but du jeu, vu que c'est uniquement un online game. Mais bon, voilà, c'est un bon point à noter, je pense. Ouais, tout à fait. On va réévoquer une deuxième fois, parce qu'on en avait parlé pendant le premier cut. Ayan, les fameux goodies que l'on peut avoir en achetant le jeu. Oui. Du coup, oui, on va se répéter, malheureusement, mais bon, voilà. C'est pour vous qu'on le fait. Du coup, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on a les cartes, les figurines, tout ça, parle-nous-en. Les cartes à collectionner avec une description sur les personnages. Ouais. On a avec ça un petit, pour des bonus de précommande, un petit DLC avec des skins et des apparences, etc. Et d'autres trucs pour les personnages. Et la dernière chose, c'est la tribune qui est offerte avec le jeu. Voilà. Ça, c'est vraiment stylé quand même. Et je trouve ça super cool. Une petite fille de... Là justement on entend la voix de Tina. Non mais c'est vrai que franchement après le 18 sur 20, bon, j'étais assez surpris d'un 18 sur 20, moi le premier, parce que je pensais pas qu'il allait obtenir autant BL, d'accord, parce que c'est un jeu qui est vraiment complet, très travaillé, etc. Je ne dis pas que Battleborn est un jeu bâclé, loin de là, mais je pensais que pour un style de jeu pareil, ça ne méritait pas une telle note en fait. On s'était plutôt mis d'accord toi et moi sur un 15 assez sympathique. Ouais, mais de là à choper un 18, tant mieux, enfin je veux dire, on est tous les deux des fans de ce jeu. Bon, voilà, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris de la note, quoi. Ouais, ça fait un peu beaucoup peut-être pour le genre de jeu, mais il est quand même très bien réussi. Ah ouais, complètement. Voilà. Moi je reste derrière en tant que bon healer dans tout RPG, je suis un heal qui se respecte. Et après en plus je lance des kunai, ça c'est pas cool. Parlons donc du coup pour ceux imaginant qui découvrent vraiment le jeu pour la première fois. Parlons du menu, de l'interface plutôt. En bas à gauche, ce que vous voyez dans la barre verte, c'est ma vie et les chiffres qui ne cessent de monter, c'est les PV qui se régènent avec le temps. Au-dessus, à côté de mon portrait à droite, vous voyez des cristaux jaunes qui sont en train de se cumuler. On va dire que c'est la monnaie intérieure au jeu qui sera permis pour faire d'éventuelles transactions. Car je vous ai dit qu'on pouvait s'acheter des passifs. Mais les passifs, ensuite, il faut les activer. Il faut les acheter pendant la partie. Et ça, voilà, ça on a omis de vous le dire tout simplement.
Donc voilà, ce sont des choses non négligeables qui nous permettent ben, du coup de builder de façon efficace notre personnage. Je pense que voilà, enfin, je vais l'utiliser pour vous montrer ici. Là, par exemple, c'est un boyeur de tourelle. Je peux acheter par exemple un drone d'assaut maintenant qui va m'accompagner et qui va faire ben, des dégâts. Je peux avoir une petite tourelle qui fait du stun, enfin, diverses choses. Et tout le parcours, bon, parce que c'est quand même après le solo, on va dire que c'est plutôt quelque chose de des minimaps scénarisés, si on peut dire. Pour aller d'un point A à un point B, c'est tout con, mais ça marche. Après, non, franchement, il y a des mini-boss entre, vous pouvez le voir. Bon, là, on vient d'en tomber un, je vous ai dit, hein, on est à 2, la difficulté est adaptée. C'est une des premières missions. Je vais peut-être te poser une colle, enfin, je sais pas si tu le sais, mais combien de missions PVE il y a à ce jour-là? À ce jour, je pense qu'il y en a une. Ouais? Ou à peine moins. Ouais. Bon, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'avec les DLC, ben, on aura sans cesse de nouvelles missions, et ça va être vraiment génial, parce qu'on est autant toi que moi, on est vraiment beaucoup plus fervent du mode PVE que PVP, quand même. Oui, carrément. Le mode PVP, du coup, ouais, parlons-en, c'est un MOBA, et on n'aime pas trop le style MOBA, quoi, toi et moi. Ben, voilà, c'est une question de style. Après, dans son style, il est quand même vachement dynamique. Mmh. Et les combats entre joueurs sont quand même assez sympathiques, hein, franchement. C'est sûr, après c'est parce que c'est du FPS dedans, aussi. Hein. Oui, c'est déjà fait. C'est du FPS, c'est embarqué. On sent qu'on fait quelque chose, quoi. Donc voilà, la mission, on va en parler un petit peu plus précisément. Ah oui, aussi que je vous parle, attendez, encore l'interface. En bas à droite, R1 c'est mon premier sort, L1 c'est mon autre sort. 6 à côté c'est le nombre de kunai que j'ai à jeter. Et au milieu il y avait quelque chose qui était grisé, ça sera triangle, c'est mon ulti. En fait, j'arrache le champignon qui est sur la tête de Miko, il le pose, il se met à germer au sol et c'est une AOE en continu. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment du heal pur et dur. Et là je me fais sévèrement défoncer, c'est fou. Ouais, là il y a du monde, là par contre on va pas faire. Non, mais là normalement tu devrais t'en sortir. Ah oui, on quand peut même. Aussi, là. Je te tiens, regarde. T'as vu, t'as même la vie en blanc, t'as même pas la vie en vert. En gros, t'es uniquement tenu par mon heal. Par rapport à chaque partie, au niveau de difficulté, on en a deux. Enfin, deux et demi, on va dire. Ouais. Il y a le mode normal, donc on se met en train de faire ça. C'est ça. Le mode avancé, là, ça va être la même chose, mais avec une difficulté dessus. Et pour finir, le mode extrême. Là, par contre, on n'a pas de réapparition sur le mode. Voilà, exactement. Mais tu fais bien d'en parler. Je vais bien en parler parce que dans l'interface, vous voyez en haut le petit bonhomme avec le chiffre 5 dans un rond rouge, c'est le nombre de réapparitions que nous avons. Nous en avons 5 à nous partager, donc si Ayan décède, il en restera 4, si je meurs, il en restera 3. C'est vraiment à se partager, et à droite, c'est la monnaie bleue, c'est ce qui va nous permettre d'acheter des petits packs de passifs, des choses comme ça. C'est la monnaie du compte, si on peut dire, alors que les cristaux jaunes, c'est la monnaie in-game pendant la partie, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment assez sympa. Bon, et le boss, on va le tuer au fait, au final, là. Voilà. Bon, deuxième partie du jeu. On va devoir protéger la sentinelle. Amenez-le au portail, qu'il fasse sauter cette abomination. Vol de vie... Unité loup en ligne. Diagnostic initio. Allez. Je vais jouer poison un peu sur la durée, histoire de faire légèrement plus mal. C'est juste un effet secondaire. Ou des sous. Pour te protéger. Oui, bien sûr, après vous avez des petits des achievements en fait qui se mettent à gauche de votre écran. Genre par exemple, il faudra que je récupère, je sais pas, 1000 dessous dans une game, mais ça va me faire débloquer des petites choses, tuer 30 ennemis d'une certaine façon. Ce sont des achievements qui sont débloquables comme ça. Ça rajoute plus de saveur au jeu, je trouve, personnellement. Peu de jeux le font, et bon, on va dire que
ils gardent tout le bon côté, hein, en fait, Gearbox. Ils voient ce qui marche, ils en font un petit tas, et ils voient comment ça peut se faire, quoi. Ouais. Juste pour info, derrière toi, j'ai le champignon qui est posé, si t'as besoin de heal. Après, c'est pas un jeu qu'il faut prendre comme un Borderlands. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir, hein. C'est pas du tout mon fait pour d'ailleurs. Ouais. Et il est dans son genre, il est vraiment excellent. Ah, mais ouais, c'est ça, vraiment, c'est le FPS Tag Teammate Coopération dans un style de jeu assez linéaire d'un point A à point B, comme j'ai l'habitude de dire. Imaginez-vous, je sais pas, du Left 4 Dead, rien de plus, on avance d'un point A à un point B, mais on est dans un mode un petit peu donjon à la haut. C'est sympa, franchement, c'est un bon mix. Et Ayan le sait, c'est même le genre de jeu que j'adore vraiment. Voilà, enfin, c'est pour ceux qui sont vraiment fervents de jeux, je sais pas, par exemple sur Play 3, il y en avait un qui était assez similaire. C'était quand même du TPS, c'était un Resident Evil, mais qui n'était pas un Resident Evil pour autant, c'était Opération Raccoon City. Je trouve qu'il s'y rapproche énormément sur le point de vue du jeu. Mais après, voilà, il a ses propres qualités. Comme il doit sûrement avoir ses défauts, les gens lui en trouveront. Nous, personnellement, on est trop fans pour essayer de lui trouver des défauts. Oui, c'est ça. Mais voilà, enfin. Je sais pas. Faut, non, après, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est un jeu. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ah oui, oui. Ah non, mais ça c'est un jeu qui ne fera pas non plus coup, que des fans. Pas l'entre-deux. C'est ça. Ça fait ça, voilà. Ben c'est légèrement un pari risqué de la part de Gearbox quand tu sais qu'ils se sont fait connaître sur BL et qu'ils font un jeu qui est vraiment. Bah ouais, on peut le dire, l'opposé juste en gardant la patte. Les gens, ils ont faim d'un Borderlands là, en fait. C'est ça, on y reconnaît la patte, mais le gâteau n'a pas le même goût quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais parce que c'est une patte qui est pas faite pour être faite sur la patte de Borderlands. C'est ça. C'est okay. Ils ont essayé de faire un mix sucré-salé pour rester dans la pâtisserie. Et en plus de ça, il est quand même assez facile à prendre en main. Ouais. Et on peut jouer en local. Et ça, je trouve ça super cool. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas des jeux qui pouvaient se jouer en écran splitté. Il y a énormément de jeux maintenant qui sont jouables quand même. Et ça, je trouve ça carrément mal. Quoi. Ah, mais complètement. Ouais. Moi, j'ai souvent des amis à la maison et du coup. La matière de jeu est très faible, quoi. C'est sûr, mais après, ils essaient de piocher dans. Enfin, c'est un petit peu grossier ce que je vais dire, mais dans le style familial, on va dire, tu peux rester chez toi et t'amuser à plusieurs sur la même télé, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Enfin, non, pas pour. Oui, pardon, tu parlais de. J'étais parti sur le reste. Bon. Oui, non, surtout, enfin, je parlais juste de l'écran splitté, quoi, voilà, tout simplement. Ah oui, bien sûr. C'est faire toute la coop à deux en local, en restant hors ligne. Ouais. Ouais, c'est super cool, j'adore. Exactement. Hop. Bon après, néanmoins, qu'est-ce que je revois? Bon, on en est certes au deuxième cut, mais on en est à environ 15 minutes de vidéo. J'ai pas non plus envie que ce soit trop long pour trop spoiler. Ce que je te propose, je pense que, bon, on avait certes choisi cette mission pour que ça aille plus vite, mais c'est vrai que voilà, ouais, voilà, déjà, bah, parle-nous un petit peu de la longueur d'émission. Ouais. On a vraiment du. Ouais, ça joue entre. Allez, 25 minutes minimum à des parties solo qui peuvent durer 40 minutes. Hein. Oui. Moi, je m'en suis fait une en solo là. Bon, j'ai tendu sur une avancée. Ouais. Mais pour aller jusqu'au bout, j'ai mis ça à 40 minutes. Ah ouais, voilà, d'accord, je vois le truc. Non, mais voilà. Non, ce que je te propose, c'est plutôt que on aille jusqu'au temple là, face à nous, et qu'on se fasse juste les vagues d'ennemis en achetant des tourelles pour juste leur montrer une autre facette du jeu. Comment ? Pardon, je suis désolé. En bas, après le temple. Là en fait, ici là devant nous quoi, en bas des escaliers, tu sais quand il y aura l'énorme invocation qui arrivera.
Parce que après, bon, ça reste encore vraiment de la protection de l'unité loup là qu'on est en train d'escorter depuis tout à l'heure jusqu'à un boss final. Ça reste très linéaire, mais bon, après, quand on aime le style donjon PVE, ça ne peut que plaire, quoi. C'est quelque chose qui se joue sans que lassitude ne suive, donc... Et puis, au niveau des équipes, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ouais. Par rapport aux classes de personnages, on peut faire beaucoup de choses et je trouve ça assez cool aussi. Ah non, mais c'est sûr. On pensait que ça allait être tiré beaucoup plus vers le PVP. Et puis finalement, en fait, le PVE est aussi enrichi, voire même, j'ai envie de te dire, plus que le PVP. Bon, du coup, que je vous explique un petit peu la dernière partie de ce qu'on va faire avant que je ne mette un terme à la vidéo pour ne pas non plus vous spoil. Même si cette mission a été vue et revue, on voulait faire quelque chose que l'on connaissait. Donc du coup, voilà. On voulait parler librement, en toute aisance, sans se prendre trop la tête à essayer de découvrir et se spoil nous-mêmes pendant une vidéo. Ouais. La chose qui nous attend, donc du coup, ben, vas-y, je te laisse énoncer du coup ce qui va arriver. Alors là, on va devoir une fois de plus protéger notre ami la sentinelle loup pendant qu'elle essaiera de venir. Hein. Donc on va avoir trois zones de pop, où on donne une à droite, une à gauche. On va pouvoir protéger ces zones avec des tourelles de plusieurs styles. Que je suis en train d'acheter. Voilà. Des tournelles percutantes qui envoient des roquettes et des tournelles de choc, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et elle ralentit ses ennemis. En fait, il y a divers tourelles, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, il y en a trois. Il y en a trois, pareil, on peut avoir des pièges aussi, de plusieurs... Mais ça, c'est encore un mode de jeu qui s'ajoute, qui est vraiment sympa, parce qu'on fait de l'escorte, maintenant on fait de la repousse de vagues avec du build. En fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est un style de tower defense, quoi, en fait. Hein. On est en train de builder des tours pour repousser des ennemis, quoi. Non mais c'est ça, voilà, on pourrait se dire ouais c'est linéaire etc, mais non, vous aurez tellement de phases de gameplay coopératif à faire que franchement vous allez être étonné tout le long, mais vraiment si vous aimez ce genre de truc, il n'y a aucune raison de ne pas aimer. Même au niveau des boss, ils ont chacun leur petite stratégie. C'est ça, ils ont leur strat au niveau d'un certain pourcentage de vie atteint et tout, enfin c'est... Ouais. Non franchement, non mais une fois de plus GG Gearbox, ouais, ils savent ce qu'ils font quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Non mais bon voilà hein. Ayan, on sait sur quoi on va passer nos vacances quoi. Tout à fait. Ah mais moi de toute façon je n'étais pas inquiète hein. Moi je savais très bien qu'est-ce que j'allais donner. Et moi les mauvais souvenirs qui remontent, moi qui suis en période de partiel, c'est génial. Ouais tu m'étonnes, ça doit faire du bien. Mais oui, tu le sais. Ah, je prends sur mon temps pour jouer avec toi, tu te rends compte de l'honneur que je te fais. C'est pas gentil. Bon, du coup, on est en train de repousser left et right side. Bientôt, il va y avoir au milieu un pseudo-boss, encore une fois, comme on a eu là au tout début, avant que l'unité lui puisse apparaître. Non, mais vraiment, voilà, après... Comment ? J'ai dit que j'ai ton écran de main, tu m'as l'air assez lent. Ah, désolé. Désolé, je vois. Non mais j'ai besoin d'aide, je ne suis pas dans mon assiette en ce moment. Ah bah tiens, en parlant de gros boss, oh non, lui il a juste une grosse barre de vie en fait. Oh non, s'il faut. Non, je crois que c'est lui. Hein. C'est lui ? Ah mais c'est cool, les VAR LC sont vraiment classe. Ouais, ils ont la... Ça y est, c'est terminé. Zoom et mais normalement, à plusieurs, il a des copains avec lui. C'est moi. Ouais. Je suis docteur. Un petit peu de heal pour lui remonter, parce qu'on peut lui rajouter des tourelles ou des shields. C'est un shield, ça. Voilà. Tain, quel mongolien. Bon. Eh bien, ce que je te propose pour pas non plus spoiler la fin, on en est arrivé au beau milieu de la mission. Voilà, histoire que les gens se disent qu'il reste encore au moins la moitié de ce qu'on a fait à faire. Et ouais. Bon, bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là. Allez, bah, écoute. Ça me du va. Coup, bon, enfin, nous on va continuer hors caméra, bien entendu. Mais voilà.
Non mais voilà, c'était juste après, bon, pour montrer un petit peu de quoi il en retournait sur, sur Battleborn. J'espère du coup que ce bref vidéo test vous aura plu, cette description du menu qui vous montre saveur et gameplay du jeu. Très orienté teamplay, là on est en partie privée certes, mais ça se joue à 5 en PvE, aussi en PvP, en mode MOBA comme on vous l'a dit, mais ça reste vraiment un jeu qui vraiment tient ses promesses. Il ne fera pas l'unanimité, c'est sûr, mais il nous plaît, c'est l'essentiel. Ouais, moi personnellement, pour ma part, c'est un jeu que je trouve super fun, c'est vachement nerveux. Il y a de quoi s'éclater, on retrouve le même dynamisme qu'on peut trouver dans un Borderlands, c'est un truc qui bouge tout le temps. Exactement. En plus de ça, les personnages, les dialogues, il y a tout ce qu'il y a. Pour ma part, c'est un excellent jeu pour s'éclater, quoi, pour le tout. Ouais, c'est vraiment le jeu fun what the fuck de 2016, hein, de toute façon. C'est ça. Bon, et ben du coup, c'est sur ces derniers jolis mots qu'on va se laisser. Je te remercie, Ayane, de m'avoir accompagné pour ce test. Avec plaisir, ben écoute, on se retrouvera sur une vidéo de Borderlands 3. Oh, carrément, l'invitation, j'y réponds de suite. Bon, mes petits amis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Encore merci à Yann. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.